Non, moi, je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah, nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, et, bah, ça fait un deuxième épisode. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant le fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on n'est pas content. Oui, en disant, vous avez fait part de... Voilà, voilà sinon de tout ça. Non, voilà. Non. Vous le savez. On se calme, je vous... On est calme. Non mais, non, moi je ne suis pas calme, moi je suis calme. Je vous dis. Ça fait 7 mois que... Pourquoi vous n'avez pas... Macron président ! Macron président ! Macron deux salariés qui veulent s'exprimer. Moi. Alors allez-y. Moi je voudrais souligner que M. Ruffin est avec nous depuis le début. C'est le seul à notre connaissance qui s'est mouillé pour nous. Et des députés comme lui, il en faudrait beaucoup. Si vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail correctement... Vous, vous pouvez faire pour vos députés, c'est vous qui les... C'est à vous de les élire. Parce qu'ils ne s'occupent pas que de la somme non plus, ils s'occupent de pas mal de choses. Et il y a pas mal de remontées positives sur M. Ruffin. Alors on peut être pour lui ou contre lui, mais franchement, c'est un sacré bonhomme. C'est un gars de terrain. Ah ouais, moi je dis bravo. Ouais.